La stevia est une plante à feuilles vertes, originaire d'Amérique du Sud et utilisée depuis des centaines d'années pour ses feuilles extrêmement sucrées. Récemment, la stevia est devenue célèbre en tant qu'édulcorant naturel qui est 40 fois plus sucré que le sucre mais n'affecte pas les niveaux de sucre dans le sang, ce qui est une merveilleuse alternative pour perdre du poids. Cependant, les avantages de la stevia ne s'arrêtent pas là, apparemment elle peut même lutter contre la maladie de Lyme selon une récente étude. La stevia combat la maladie de Lyme ? Bien que cela semble incroyable, il existe des preuves suggérant qu'un effet secondaire bénéfique de la stevia pourrait tuer la bactérie Borrelia burgdorferi, l'agent pathogène responsable de la maladie de Lyme. La maladie de Lyme est une infection furtive, transmise par l'intermédiaire d'une piqûre d'une tique infectée. Cette maladie est communément appelée le grand imitateur, parce que ses symptômes imitent souvent ceux d'autres maladies comme la maladie thyroïdienne, le lupus, le trouble anxieux généralisé, le trouble panique, la dépression, le syndrome de fatigue chronique, la polyarthrite rhumatoïde et la fibromyalgie. La plupart des médecins s'appuient sur le test ELISA lorsque la maladie de Lyme est suspectée pour la première fois, même si certaines études indiquent que le test rate jusqu'à 50% des cas de Lyme. En plus, la plupart des gens ne se souviennent jamais d'une morsure de tique ou ne voient pas non plus l'éruption cutanée révélatrice de la maladie de Lyme. Selon l'International Lyme and Associated Diseases Society, aucune étude n'a démontré qu'un traitement antibiotique de courte durée traite efficacement l'infection. De toute évidence, nous avons besoin de meilleures options. Une étude de 2015 publiée dans European Journal of Microbiology and Immunology suggère qu'il faudrait se tourner vers les extraits de plantes. Les détails de l'étude. Les chercheurs de l'université de New Haven ont découvert que l'exposition de la bactérie Borrelia burgdorferi à l'extrait de feuilles de stevia avait éliminé la maladie de Lyme sous ses différentes formes. Ces formes différentes comprennent les spiroquettes B, burgdorferi, sphéroplastes, formelles, corps ronds et les formes difficiles à tuer comme celles en biofilm. Mais pourquoi tant de formes? C'est pour la survie de la bactérie, au fur et à mesure. Cette dernière a développé des formes nouvelles pour renforcer ses défenses contre les antibiotiques conventionnels. Les chercheurs ont utilisé 4 types de stevia, 3 sous forme liquide dérivée de l'extraction d'alcool standard et 1 en poudre. La stevia en poudre diluée dans un liquide ne s'est pas révélée prometteuse pour tuer la maladie de Lyme, mais les échantillons de stevia extraits de l'alcool l'ont fait. L'extrait de feuilles de stevia a surpassé les médicaments souvent utilisés pour traiter la maladie de Lyme comme doxycycline, céphoperazone, daptomycine et leur mélange. Fait intéressant, une semaine après le traitement, la bactérie Borrelia burgdorferi a commencé à refaire surface à nouveau dans les groupes d'antibiotiques. Pire encore, la Borrelia burgdorferi en forme biofilm associée à la maladie de Lyme a augmenté de taille avec un traitement antibiotique standard. Cela ne s'est pas produit dans le groupe stevia, qui a semblé être une destruction complète pour la bactérie après 7 jours. Vers un traitement à base de stevia? Si la stevia lutte contre la maladie de Lyme, pouvons-nous l'utiliser officiellement en médicament pour le corps humain? Il s'agit d'une étude en laboratoire où les scientifiques traitaient les bactéries dans des tubes à essai et des boîtes de pétri, donc il est encore tôt pour que les chercheurs puissent prescrire des extraits entiers de feuilles de stevia liquide pour traiter la maladie de Lyme, mais cela ne veut pas dire que vous devez l'éviter dans votre alimentation. Des études chez l'homme sont recommandées pour voir si la stevia tue efficacement la maladie chez les humains. En d'autres termes, des essais cliniques sont nécessaires. La recherche continue. Aujourd'hui, les chercheurs de l'université de New Haven étudient toujours l'impact de l'extrait de feuilles de stevia liquide sur la maladie de Lyme. Selon le New Haven Register, la professeure Eva Sapi et ses étudiants ont effectué des études de confirmation après l'étude de 2015. À maintes reprises, la stevia émerge comme un produit efficace contre la maladie de Lyme. Dr Sapi a affirmé que jusqu'à présent, elle n'a pas encore vu de meilleurs résultats pour lutter contre la maladie de Lyme, même pour les antibiotiques les plus utilisés. La professeure a été touchée également par la maladie de Lyme et a commencé à effectuer des tests. Dès ses premières expériences, l'extrait liquide de stevia s'est révélé comme un possible traitement de la maladie de Lyme. Aujourd'hui, elle attend d'apprendre les résultats d'un essai clinique impliquant la stevia et les antibiotiques à New York. Ce qui est très prometteur pour le traitement de la maladie.